Karine. Alors voyons maintenant Marie-Angeline Colson, qui a bien débuté son concours, mais on reste un petit peu inquiet quand même, parce que, comme on dit, jamais 203, j'espère que ça ne va pas se répéter. Regardez bien, il fait deux lâchés en franchissement dorsal, sur lesquels sont tombés ses coéquipières. Voilà, le catch-chef ici, premier. Bien assuré. Bien assuré. Et normalement, il y en a un deuxième qui doit suivre. Voilà, c'est au deuxième que cela se passe. Alors, attention. Voilà. Oui. Parfaitement. Bien dans l'amplitude et bien repris, bien enchaîné. Et le double arrière groupé. Ah, oui. Marie-Ange Colson réalise vraiment un très beau concours. Très beau concours. Elle a fait un saut parfait. Et là, aux barres asymétriques, elle a assuré. C'est difficile de suivre derrière deux copines de l'équipe de France qui sont tombées. Et on se pose des problèmes dans la tête. Hein. On se dit, est-ce que ça ne va pas m'arriver? Eh bien, Marie-Angeline a bien réagi. Et son entraîneur vient la réconforter. Elle a bien rattrapé la barre au bon moment. Mais voilà, toute la difficulté est là. C'est de pouvoir la saisir, cette barre, sans glisser. Et pourtant, il y a eu de la magnésie passée autour de la barre au départ. On a même aspergé la barre d'eau pour donner une meilleure prise.